Salut Pierre-Michel, comment vas-tu? Ça va, très bien. Et toi? Écoute, plutôt pas mal, c'est parfait. Je te propose qu'on puisse déjà commencer un petit peu déjà l'introduction et un petit peu à se présenter mutuellement le temps que tout le monde arrive. Et de toute façon, on sera dispo en replay a posteriori, donc aucune difficulté de ce point de vue-là. Alors bonjour à tous, on vous propose aujourd'hui un webinaire en partenariat donc, entre Anomia et Legal Pilot. L'objectif, ce n'est pas de se vendre mutuellement ou ce n'est pas qu'on puisse se vendre de notre côté, c'est simplement de vous donner de la valeur par rapport au thème qu'on a choisi ensemble et surtout qui a été proposé par Pierre-Michel qui a beaucoup travaillé sur ce thème-là, qui est l'optimisation du processus de production donc, qu'il va avoir au sein d'un cabinet d'avocats. Et donc immédiatement, je remercie Pierre-Michel et je lui passe la parole pour se présenter. Ouais, merci Valentin, merci beaucoup pour l'invitation, c'est sympa. Donc effectivement, aujourd'hui, on a choisi de vous parler de l'optimisation des process de production. Alors moi, pour mon background, je suis effectivement cofondateur de Legal Pilot, mais en premier lieu avocat depuis un peu plus de 8 ans. Donc j'ai eu l'occasion de voir différentes pratiques, différentes tailles de cabinets, des anglo-saxons, des plus petits en France, une expérience à l'étranger aussi. Donc, je ne prétends pas avoir tout vu, mais voilà quelques points intéressants et puis qu'on va essayer de mettre en perspective aussi avec l'expérience de Valentin aujourd'hui. Super. Eh bien, moi, je ne suis pas avocat du coup. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. Je suis le cofondateur et président de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié aux avocats, qui intervient sur 3 sets de compétences que sont la formation, le coaching et les missions de conseil en stratégie. Alors, sans plus attendre, moi, je vous propose qu'on puisse commencer. Donc, aujourd'hui, on a, comme Pierre-Michel l'a rappelé, choisi de traiter ensemble un thème qui était l'optimisation du processus de production au sein des cabinets d'avocats. Donc, la première partie combe. Donc il y aura 4 parties à l'intérieur de ce webinaire, 2 parties qui seront traitées par Pierre-Michel et deux parties qui seront traitées de mon côté. Donc la première partie que je vais traiter, c'est déjà avoir une big picture, ou plutôt une vue globale sur le processus de production au sein du cabinet d'avocats. Donc on va voir finalement pourquoi on parle de process de production, c'est quoi la prod et finalement comment est-ce qu'on arrive à avoir une vue globale dessus. Ensuite, Pierre-Michel, je te laisse énoncer ta partie. Ouais, ensuite, dans un second temps, on va voir la question de l'identification des tâches récurrentes ou des tâches à faible valeur ajoutée. On sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont parfois nombreuses, mais ce n'est pas toujours évident de mettre le doigt dessus. On va essayer de trouver des critères pratiques qui permettent de les identifier. Et après, du coup, moi, je suivrai par OK, maintenant qu'on les a identifiés, comment concrètement on fait pour optimiser ce process de production? Et moi, je vais embrayer dans cette logique-là avec les outils, quelques exemples d'outils qu'on peut implémenter facilement, des outils gratuits, des outils payants pour gérer différents cas de figure. Et puis ensuite, des choses qui vont être plus relatives aux bonnes pratiques qu'on peut implémenter, plus peut-être d'ordre organisationnel dans les cabinets. Et puis pour finir, si on a le temps, ou peut-être en filigrane, vous présenter aussi un petit peu des cas d'usage dont on sait qu'ils fonctionnent pas mal dans les cabinets, que nous, on a notamment vu dans le cadre de notre démarche avec Legal Pilot, qui est, je le précise, un produit d'automatisation de documents. Donc c'est vrai qu'on touche rapidement aux questions de productivité. Ok, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est le thème du jour. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite une très bonne soirée, mais je suis sûr que vous êtes inscrit, que vous avez bien lu le sommaire au préalable. Donc, on va commencer. Alors, déjà, c'est quoi avoir une vue globale sur sa production? Il faut déjà, je pense, rappeler quelque chose. C'est que le cabinet d'avocats, comme toute entreprise, est fait de 2 choses. La première chose, c'est qu'elle est faite d'acquisition. Donc, quelque chose qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir apporter de la clientèle au sein de son cabinet d'avocats pour pouvoir vendre des prestations et réaliser du chiffre d'affaires. Deuxième partie, celle qui va nous intéresser ce soir, ça va être vraiment sur la production. Donc, comment finalement on arrive à délivrer la prestation qu'on a vendue au préalable grâce à l'acquisition? Il faut voir que l'optimisation de la production, et d'abord la production en tant que telle, elle a un impact énorme sur les cabinets d'avocats. En fait, la production, c'est 80% ou 70% du temps d'un avocat. Un avocat, il va avoir des clients au téléphone, il va récupérer des pièces, il va réaliser certaines opérations, il va rédiger des assignations, il va travailler sur la stratégie des différentes opérations qu'il va pouvoir avoir. Et ça va être extrêmement important dans le temps que va consacrer un avocat dans ses tâches quotidiennes. C'est pour ça en fait qu'on vous propose ce thème ce soir, c'est parce qu'en fait tout ce qui prend du temps au sein d'une activité, on peut trouver des façons finalement de l'optimiser ou trouver des leviers qui vont permettre finalement de pouvoir augmenter en rentabilité,
Parce qu'à partir du moment où on optimise ces process de production, on va tenter soit de diminuer le temps humain à forte valeur ajoutée qu'on va payer cher au sein d'un cabinet d'avocat, parce que c'est le coût le plus important d'un cabinet d'avocat. Donc, pour diminuer peut-être la valeur de la personne qui va travailler sur un pan de l'opération ou sur une étape de l'opération. Un exemple concret, c'est un associé collectait par exemple l'ensemble des documents nécessaires pour réaliser un bail commercial. Maintenant, on va demander aux collaborateurs ou aux stagiaires de pouvoir envoyer un mail pour collecter ces documents. Ou mieux encore, on va pouvoir réaliser un typeform qui va nous permettre d'aller collecter des documents pour permettre finalement de gagner du temps par rapport à cette étape qui peut prendre 1 heure et demie, 2 heures. Et donc, finalement, on va augmenter le taux de rentabilité. Ça veut dire que le chiffre d'affaires facturé au client pour la prestation ne change pas. Qu'on facture 10 000 euros pour un bail commercial et que l'ensemble soit fait par un associé ou que ces opérations soient découpées et qu'on lâche des tâches à plus faible valeur ajoutée à des gens qui coûtent moins cher au sein de la structure permet uniquement d'augmenter la rentabilité sans baisser le prix. Mais pour faire ce genre de choses, il faut bien avoir une vue globale de production qu'on peut avoir au sein de son cabinet d'avocat. Le système de production et plus encore la gestion de la production, ça recoupe vraiment les tâches qui sont faites par les individus travaillant pour le cabinet d'avocat. Ça va également prendre en compte le temps chargeable que ceux-ci peuvent accomplir. C'est-à-dire qu'en fait, si on a des avocats collaborateurs, on estime, je vais raconter des bêtises, hein, c'est pour que l'exemple soit compréhensible, qu'on exprime que ceux-ci peuvent travailler 100 heures et qu'on voit qu'en fait, ils sont utilisés à 70 heures par mois, c'est comment finalement est-ce qu'on va rationaliser nos processus de production pour que finalement le collaborateur puisse travailler sur ces tâches-là, mais puisse également aller plus loin et travailler sur d'autres tâches qui vont concerner la production future des futures opérations, parce qu'aujourd'hui, ils sont en sous-régime. À l'inverse, si le collaborateur peut facturer 100 heures par mois et qu'on voit que le travail effectif ou réalisable correspond à 130 heures, comment on permet à ce collaborateur de redescendre à un point d'équilibre pour finalement réussir à accomplir son travail. On va voir aussi qu'il y a des points qui sont relatifs au deadline. C'est-à-dire que si on réalise 50 opérations de façon annuelle, si celles-ci sont lissées sur l'année, ce qui est un cas d'école mais qui n'existe pas en pratique, en fait, on va se rendre compte que le plan financier ou le plan de ressources humaines qu'on avait mis en place finalement est fonctionnel, mais il s'avère que c'est rarement. C'est-à-dire que du MNE, les périodes de juillet-août extrêmement intenses, enfin de juillet surtout, de juin, sont extrêmement intenses en MNE. Lorsqu'on est en taxe, on a les périodes de juin et de décembre qui sont extrêmement intenses, sur lesquelles on a énormément de deals. Donc là, il va falloir pouvoir se rendre compte des deadlines qu'on va pouvoir avoir. Donc, ce que je vous donne là, ce ne sont pas des sauces miracles, si vous voulez, que vous allez pouvoir appliquer immédiatement. Pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez tous autour de cette table, autour de ce webinaire, des activités qui sont différentes. Et même si vous avez la même expertise au sein de votre activité, vous allez avoir des opérations qui vont revenir de façon fréquente. Vous allez avoir des opérations sur lesquelles vous allez beaucoup facturer, des opérations sur lesquelles vous allez être extrêmement rentable et des opérations, dans l'autre sens sur lesquelles vous allez être moins rentable et qui vont être en décroissance. Donc vraiment, pour avoir une vue globale de son processus de production et savoir sur quoi on va travailler et on va devoir optimiser, ce que fera tout à l'heure Pierre-Michel, c'est qu'il va falloir qu'on espèce de mettre en place une certaine forme de matrice. Cette matrice, elle va vous permettre de voir différentes choses, c'est-à-dire qu'elle va de voir les opérations par ce qu'on appelle des centres de profit. Imaginons qu'un cabinet d'avocats soit un cabinet d'avocats multiservices qui intervienne en droit social, en droit des sociétés et en droit fiscal. OK, 3 départements. À l'intérieur de ces départements, on va en sélectionner un pour regarder en profondeur ce qui va pouvoir se passer. On se rend compte que dans mon département droit social, sur lequel je fais un zoom, on se rend compte qu'il y a, on fait que du droit du travail de façon des relations individuelles de travail, pardon, et on se rend compte que l'avocat ou en tout cas le département travaille sur 3 opérations. Il travaille sur les licenciements, il travaille sur les ATMP. Et ils travaillent sur, je ne sais pas moi, les modifications du temps de travail, modifications des contrats de travail, peu importe. Donc, sur ces 3 opérations-là, en fait, il faut qu'on puisse les faire descendre dans un scope. C'est-à-dire qu'on va devoir savoir, sur ces 3 opérations, quel est le chiffre d'affaires du département généré sur ces 3 opérations, qui sont 3 opérations majoritaires réalisées par ce département droit social. On se rend compte dans ce département qu'il y a 50% qui sont réalisés sur des licenciements.
50% du CA, c'est pas mal. On a 20% du CA qui est réalisé sur ce que je vous disais, la modification du contrat de travail ou je ne sais pas quoi, et on a 30% qui est réalisé sur les accidents du travail, maladies professionnelles. Déjà, on a une vision globale sur l'ensemble des opérations qui sont réalisées au sein de ce département, et on a réussi à les répartir par centre de profit, et notamment par chiffre d'affaires par opération. Mais ça ne nous suffit pas, parce qu'en fait, savoir qu'on fait 50% de chiffre d'affaires, c'est très bien, mais ce n'est pas important. Si le département fait 400 000, enfin 500 000 euros, par exemple, de chiffre d'affaires, ça veut dire que sur ma première salve d'activité, je fais 250 000 euros de chiffre d'affaires, mais peut-être que celle-ci, in fine, rapporte moins d'argent au cabinet d'avocats que ma deuxième activité, qui fait 20% de mon chiffre d'affaires, mais qui va être beaucoup plus rentable. Donc ça, il faut vraiment le passer à la moulinette sur une deuxième partie. C'est en gros, OK, combien de rentabilité j'arrive à sortir par opération? Si on se rend compte que sur mes 250 000 euros là, finalement, bah, j'ai 200 000 euros de charges et j'arrive à sortir 50 000 balles. Ça veut dire que j'ai un taux de rentabilité qui est à hauteur de 20%. Un taux de rentabilité à 20% sans un cabinet d'avocat, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'avez pas un business model qui est réalisé pour faire énormément de volume et donc que outils comme Legal Pilot en interne ou d'autres outils similaires, et ça veut dire que vous ne pourrez pas assumer le volume et que derrière votre cabinet. Si on se rend compte sur mon deuxième activité que j'ai 20% de chiffre d'affaires que je n'avais par celle-ci, donc 20% de 50 000, ça fait 50 000 euros, mais que j'ai un taux de rentabilité qui est à hauteur de 80%. Là, ça commence à être pas mal. Donc, ça n'existe pas non plus à 80%. On n'est plus sur les beaux taux de rentabilité à 60%, mais 80%, c'est bien trop haut. Donc, si on prend rien que ces deux exemples, on se rend compte que sur ma première activité qui est licenciement, j'ai un taux de rentabilité qui est extrêmement bas, et sur la deuxième, j'ai un taux de rentabilité qui est extrêmement haut. Ce qui signifie que sur ma première activité licenciement, je vais devoir trouver des solutions pour augmenter mon taux de rentabilité. Les solutions pour augmenter les taux de rentabilité, il y en a trois. C'est augmenter ses prix, extrêmement complexe. Augmenter sa qualité de clientèle et donc pouvoir de facto augmenter les prix. Et la troisième possibilité, c'est modéliser et processiser pour que derrière, vous puissiez avoir un taux de production qui soit beaucoup plus, pardon, un taux de rentabilité qui soit beaucoup plus haut grâce à la processisation de certaines opérations que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, je vais laisser Pierre-Michel continuer. Mais vraiment, l'objectif, c'est qu'il faut que vous compreniez en fait l'ensemble de votre système de production et que vous preniez de la hauteur par rapport à votre cabinet d'avocat pour vous dire, OK. Majoritairement, mes opérations reviennent sur telle opération, telle opération. Je sais que grâce à des calculs que j'ai mis en place, des tableaux de bord que j'ai mis en place au sein de mon activité, cette opération est rentable, cette opération est moins rentable, cette opération n'est pas du tout rentable. Et je repère que cette opération qui n'est pas du tout rentable, plus en croissance. Ça signifie qu'en fait, j'ai de plus en plus d'opérations non rentables qui viennent au sein de mon activité, ce qui est vraiment un risque pour votre cabinet d'avocat. Et en fait, si vous n'agissez pas très rapidement, si vous ne modélisez pas ces opérations, vous courez à votre perte. Et donc, il est nécessaire que vous puissiez mettre en place des systèmes de processisation pour que derrière, vous puissiez dégager de la rentabilité. Je laisse immédiatement la parole à notre cher Pierre-Michel. Merci Valentin. Ouais. Effectivement, le point de départ, c'est très probablement cette approche big picture, hein, d'avoir une compréhension globale des grandes masses, où est le chiffre d'affaires, où sont les centres de profit. Après, une difficulté qui peut apparaître, c'est ensuite de mettre le doigt sur lesquelles des tâches sont à plus faible valeur ajoutée en pratique. Ce n'est pas forcément évident de disséquer les prestations, aussi parce que les prestations ne sont pas toujours les mêmes. Hein, c'est très propre à notre métier, on fait toujours un petit peu du sur-mesure. Néanmoins, il y a des tendances qui peuvent se dégager et un des leviers de processualisation, hein, c'est justement l'identification de ces chaînes de production. Qui fait quoi, à quel moment, dans quel ordre et est-ce qu'il n'y a pas des endroits de la chaîne qu'on peut venir un petit peu accélérer ou optimiser, quoi. Alors, on a réfléchi à une matrice un petit peu pour vous aider en pratique au sein de vos cabinets et, comme le disait Valentin, avec la diversité que ça représente. Hein, donc, encore une fois, ce n'est pas des recettes miracles, mais on a essayé de manière très pratique de mettre le doigt sur certains points qui vont vous permettre d'identifier ces tâches. Alors, le premier critère qui me semble important, c'est déjà le critère de la criticité. On est évidemment dans un métier qui est réglementé, soumis à une déontologie et à des règles fortes qui font que, bah oui, l'analyse de la rentabilité, c'est tout de suite un petit peu plus complexe dans nos métiers, puisqu'il y a quand même des règles très fortes. Il y a notre responsabilité qui peut être en jeu facilement. Et donc il faut déjà voir un petit peu le périmètre de ces tâches qui sont critiques.
La criticité, elle est a priori de trois ordres. Il y a les tâches qui sont critiques du point de vue de votre responsabilité en tant qu'avocat. Et ça, je pense qu'on le sent quand on traite des dossiers. On sait qu'il y a des choses qui sont plus sensibles que d'autres, soit intuitivement, soit parce que c'est très très clair dans certains dossiers. Je pense notamment à ceux d'entre vous qui font du contentieux. Bon, bah, on sait que par exemple, des délais d'appel, on a toujours le nez dessus parce qu'on sait que c'est très sensible et ça fait partie des choses qu'il faut vraiment pas louper. Pour ceux qui sont en corporate, ça va être des délais d'enregistrement, voilà, des choses vraiment dures dont on sait que si on passe à travers, on est sur un risque de mise en responsabilité. Donc ça, je pense que généralement, quand on connaît son activité, on sait où sont ses zones de risque. Donc là, c'est vrai que ça fait partie des choses qui, a priori, vont être difficilement optimisables, mais à l'inverse, il y a les tâches qui ne rentrent pas dans ce domaine-là sont peut-être plus facilement optimisables. Et dans le non critique, bah, si on est des délais, on peut pas sur des notions de délai, on peut par exemple penser aux soft deadlines qu'on voit dans les négos, donc les calendriers indicatifs, les choses comme ça. C'est des choses qui sont moins dures en termes de responsabilité. Pareil, de manière en termes d'information, il y a tout ce qui va relever de l'information administrative du dossier, du suivi de dossier. Je pense notamment au rappel client, aux choses comme ça qui sont pour le coup nettement moins critiques et qui font d'ailleurs généralement partie de l'interaction qu'on va pouvoir déléguer plus facilement. Alors ça fait le point avec le deuxième point de criticité, c'est quelles sont celles des tâches qui sont exposées en termes de relations clients. Et là aussi, généralement, on a un rapport assez intuitif à ça. On sait que dans une certaine mesure, le client ne voit que la partie émergée de l'iceberg. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait si attention à ce qu'on écrit dans le métier. C'est pour ça qu'on fait attention à la mise en forme de ce qu'on sort, parce qu'on sait que le client perçoit avant tout et surtout cette partie-là. Et donc, il y a certaines tâches comme ça qui sont plus exposées du point de vue de la relation client. Mais à l'inverse, il y en a aussi qui le sont moins et qui sont du coup bah, peut-être moins à risque en termes d'optimisation ou de délégation. Donc, grosso modo, ce qui va être exposé en termes de relation client, c'est tout ce qui, dans la tête du client, fait partie du job de l'avocat, intrinsèquement. Et ça, c'est pas toute la prestation. Le client s'attend pas à ce qu'on fasse toute la tambouille nous-mêmes. Il s'attend surtout à ce qu'on apporte l'expertise et à ce qu'on apporte le conseil. Et le conseil aussi, c'est parfois beaucoup de réalité, en fait. C'est beaucoup de, voilà, le coup de fil pour rassurer le client, le sentiment qu'on a sur un dossier, des choses comme ça qui sont, qui, je pense qu'il faut prendre le temps de faire parce qu'en plus, l'oralité, c'est le contre-coup du fait que l'écrit est très contraignant dans notre profession, c'est qu'on est beaucoup plus libre sur l'oral. Donc, ça fait partie des choses qui, je pense, on le sait, qu'il faut pas hésiter à faire, quoi. Le coup de fil de 2 minutes, voilà, aura parfois plus d'impact en termes de relation client que l'écriture qui vous aura mis 4 heures de prod à sortir, quoi. Donc voilà, peut-être essayer de faire le distinguo sur ce qui est perçu comme ça par le client. À l'inverse, ce qui est évidemment non critique, c'est ce qui va relever plus de la partie administrative des dossiers. Donc typiquement, voilà, le suivi de dossier, les appels des secrétaires pour récupérer des pièces, pour faire un point sur le dossier, mais d'une manière administrative, ça, c'est des choses qui sont, voilà, moins critiques. Enfin, un dernier angle sur la criticité, c'est évidemment le secret professionnel. Donc là, pareil, c'est dans notre ADN, on n'y pense souvent même pas tellement c'est naturel, mais du point de vue de la gestion d'un cabinet, c'est quand même intéressant d'essayer d'avoir une vue d'ensemble là-dessus, puisque on le ressent beaucoup sur un plan individuel, le secret professionnel, et dans les plus grandes structures, ça va se traduire par des politiques, voire par des outils, les notions de Chinese Wall, qu'on a dans les grands cabinets, et puis les notions de check qu'on peut avoir entre associés selon qui travaille sur quel dossier. Mais on a aussi une majorité, je pense, en nombre de cabinets qui sont sur un rapport plus concret et plus individuel au secret.
Et donc, c'est vrai que c'est pas mal de se poser, je pense, pour prendre un peu de recul sur voilà, qui manie des infos sensibles du point de vue du secret, comment est-ce que mes outils sont un minimum cloisonnés, et puis aussi, je pense, avoir une approche pragmatique du secret. On le sait tous en pratique, on est très nombreux à faire de la communication sur, pour ceux qui sont à M&A, sur les deals qu'on peut faire, sur les références clients. Pour autant, le point de vue de notre ordre est quand même assez restrictif là-dessus. Et la plupart d'entre nous sommes d'ailleurs dans une sorte de zone grise, hein, vis-à-vis de ça. Donc, il faut aussi être réaliste sur, enfin, être pragmatique en tout cas, sur là où le secret nous met à risque et là où il nous met moins à risque. Voilà en tout cas pour ces notions de criticité. Le deuxième angle pour identifier les tâches à plus faible valeur ajoutée, c'est évidemment le principe de délégation. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait, je pense, de manière très, très intuitive, mais c'est pas mal de prendre un peu de recul pour voir en fait comment on réagit vis-à-vis de ces tâches qu'on peut déléguer ou qu'on a le sentiment de ne pas pouvoir déléguer, au contraire. Alors, j'ai essayé de reprendre une matrice très pragmatique, graduelle en fait. Déjà se poser la question de quand je prends un stagiaire, que ce soit un stagiaire estival ou un PPI au plus long cours, qu'est-ce que je vais lui confier comme tâche la première semaine, le premier jour, la première semaine et après le premier mois? Qu'est-ce que concrètement je sens que je peux lui donner? Parce qu'en fait, derrière, sans forcément y penser, ben, les critères que j'ai évoqués au-dessus, la criticité, la relation client, le secret, tout ça, je sais intuitivement que ce n'est pas sensible. Donc, je lui donne. Ça, c'est des choses je pense qu'on fait naturellement, on n'y réfléchit même pas, mais en fait, à travers ce geste-là, on met le doigt sur celles des tâches qui sont le plus faciles à déléguer, en fait. Et c'est un bon indice, déjà, de regarder ça. Si on remonte un petit peu à un niveau, quand on organise la gestion du cabinet et notamment les aspects administratifs du dossier, eh ben, on va avoir un autre niveau de délégation, notamment pour ceux d'entre nous qui ont la chance d'avoir des paralegals ou des assistants et assistantes. Voilà, qu'est-ce qui va être du périmètre du paralegal en gros? Qu'est-ce qu'on considère qu'on va pouvoir sous-traiter et donc là, c'est généralement plus de l'administratif, parce que c'est vrai qu'en France, on a quand même une conception plus administrative d'ailleurs du boulot de paralegal qui n'existe pas dans beaucoup de cabinets. Donc voilà, l'aspect administratif du dossier, les temps, la facturation, le suivi des pièces, etc. Mais au-delà de ça, certains d'entre vous, je pense, connaissent aussi des contextes où on a la super assistante qui connaît tout l'historique du cabinet et qui fait de la prod, et qui fait vraiment de la production. Et là, c'est pareil, on a un élément de délégation fort. D'ailleurs, pour ceux qui le pratiquent, c'est un asset incroyable d'avoir quelqu'un comme ça au cabinet. Et ça met le doigt sur bah, voilà, ces tâches qu'on délègue et qui marchent bien en fait en pratiquant, en déléguant. Et le troisième niveau, peut-être, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir donner à un collaborateur junior quand il arrive? Parce que ça, c'est pareil, très pratique. Quand on est dans une petite structure, l'étape du premier collaborateur, c'est vraiment, entre guillemets, c'est un peu une extension de vous-même hein, sur les premiers dossiers. Donc, voilà, il faut faire monter en compétences, mais il faut aussi lâcher, il faut aussi lâcher des dossiers. Ce sentiment de lâcher, c'est vraiment là aussi qu'on va trouver des points de délégation qui peuvent être reproductibles sous d'autres formes, mais notamment voilà, à quel moment je lâche la partie recherche, la partie validation, la partie relecture, à quel moment je lâche la relation client, c'est peut-être le plus dur ça aussi. Et en fait, pourquoi on dit tout ça? C'est qu'au final, ces éléments-là, quand on les identifie un peu, je pense qu'en brossant des questions comme ça doit parler sous une forme ou sous une autre à la plupart d'entre vous, enfin, j'espère en tout cas. Ce qu'on cherche à identifier là, c'est des tâches qu'on peut produire autrement. Donc, soit en s'appuyant sur les mêmes systèmes de délégation, mais surtout maintenant en allant chercher des solutions du côté des outils, en fait, hein, des outils qui vont traduire des modes de collaboration différents. Pour terminer, il y a une approche qui me semble intéressante pour essayer d'aller identifier les tâches à faible valeur ajoutée et mettre en perspective ce qu'on peut en faire. C'est l'approche que j'essaye de résumer sous la notion de produit juridique. Alors, ça parlera peut-être pas à tous, mais je pense à certains notamment qui soit qui ont des grosses volumétries sur des dossiers très récurrents qui se ressemblent beaucoup,
Je pense bah, naturellement des matières comme le corporate avec les approbations de compte, mais aussi pour ceux qui vont être amenés à faire du contrat de travail un petit peu en masse pour des donneurs d'ordre, même dans le contentieux, hein, ceux qui ont des contentieux à répétition, avec des assureurs, des choses comme ça. On arrive vite sur une notion de, on pense même plus en termes de dossier, on pense en termes presque de produits. Pareil pour en corporate, les constitutions, on sait très bien le périmètre, on connaît les pratiques majoritaires, les pratiques minoritaires. Donc cette approche par produit, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet vraiment de pousser jusqu'au bout les logiques d'optimisation, en étant vraiment sur une logique de un peu de 80-20, c'est-à-dire on essaye de se focaliser beaucoup sur la récurrence, le bloc qui est vraiment le dénominateur commun de ces opérations, et en laissant sur du traitement manuel les 20% qui sont de l'exotique, du particulier, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on arrive à mettre en œuvre derrière des outils qui vont permettre d'avoir des vrais gains, des vrais leviers sur la rentabilité, donc notamment les outils de partage de documents, les outils d'automatisation de documents. On est dans un métier où les livrables se font par écrit, donc évidemment le document est un des leviers si on arrive à le configurer et à l'implémenter de la bonne manière qui donne des très bons retours sur investissement. Dans cette logique, il y a un point aussi qui est intéressant pour l'identification des tâches qui sont optimisables, c'est justement la notion de matrice. Alors, la notion de matrice, c'est intéressant, c'est souvent un peu à double, enfin dans deux sens. Pour les cabinets qui sont bien structurés, on a vite ce réflexe d'essayer de créer des matrices et surtout de partager des matrices. Et c'est là où le bât blesse généralement, c'est que c'est compliqué de s'assurer que tout le monde utilise bien la bonne matrice ou que cette matrice reste pertinente dans le temps. Donc ça, c'est pas nécessairement évident, mais c'est vrai que c'est un travail de fond qu'il faut, je pense, essayer de mettre en place, hein, dès qu'on ressent une certaine redondance sur des actes ou des documents types. Et il y a un autre angle qui me semble intéressant, c'est à l'inverse, ce qu'on a peut-être moins le réflexe de faire, c'est de voir là où les collaborateurs ou les autres associés du cabinet vont spontanément créer des matrices d'eux-mêmes, c'est-à-dire sans qu'il y ait une décision entre guillemets par le haut de dire on sait qu'il y a telle récurrence, donc on va créer la matrice. Mais plus en regardant, bah, en pratique, enfin, je pense que chacun, quand on s'organise, on le sent. Dès qu'on fait trois fois la même opération, on va soit reprendre dans le dossier précédent, soit faire une petite matrice pour le futur. Et généralement, ça, on ne le partage pas au sein des cabinets. C'est une pratique personnelle. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder les pratiques de chacun et voir là où les gens font des matrices, parce qu'en pratique, c'est là où on a des leviers d'harmonisation, d'optimisation, de modélisation. Et enfin, bah, il y a le volet aussi projection, hein, c'est-à-dire comment on veut positionner le cabinet sur ces opérations. Ça rejoint ce que disait Valentin tout à l'heure. Quelles sont celles de ces opérations qui sont les plus rentables? Quelles sont celles sur lesquelles on veut accélérer ou au contraire, on ne veut pas nécessairement avancer plus? Être justement, voilà, plus dans une logique un petit peu de pilotage ou en tout cas d'essayer de donner une direction et pas être simplement, entre guillemets, en attente des dossiers entrants, quoi. Donc ça peut aussi bien se concilier avec des logiques de refonte de site internet, d'action de communication, où on va essayer de se positionner sur des dossiers particuliers, sur une verticale, sur une expertise, qui va amener un volume de dossiers, qui va canaliser idéalement un volume de dossiers là où on sait qu'on est le plus rentable. Je vais te repasser la main, Valentin, pour la partie suivante sur l'optimisation des tâches. Merci beaucoup Pierre-Michel. Alors, moi maintenant, je remercie beaucoup Pierre-Michel parce que j'ai du mal à structurer les choses comme tu le fais et du coup, je trouve ça admirable. Moi, concrètement, là, dans cette partie, je vais vous parler de quelque chose qui peut paraître complexe. C'est comment concrètement on optimise ses tâches. Alors, quand on regarde un cabinet d'avocats et qu'on n'a jamais travaillé sur les process et sur la production, que ce soit la production en termes de documents juridiques ou même la production administrative ou la production des processus qui vont servir finalement à la gestion du cabinet d'avocats, on peut être vite impressionné par l'immensité. En fait, l'objectif, c'est que lorsque l'idée, c'est que lorsque vous avez bien fait votre travail d'identification,
et que vous vous dites, OK, mon bail commercial, moi, ça représente 50% de mon taf de prod. Aujourd'hui, il y en a marre. Je passe trop de temps dessus et j'ai trop peu de. Enfin, il y a trop de faibles valeurs ajoutées par rapport à ce que moi, je peux apporter concrètement. Moi, j'interviens uniquement pour 5% de dossiers sur lesquels je m'éclate et là, il y a ma forte valeur ajoutée. Mais sur le reste, 95%, ça peut être réalisé par quelqu'un d'autre et je n'ai pas de valeur ajoutée. Une fois qu'on a fait ce travail d'identification, on commence uniquement sur cette opération-là. Ne vous perdez pas à essayer de dire « Ok, il faut que j'optimise le M&A, le corpo, le tax, etc. et telle opération, telle opération, telle opération. » C'est comme quand vous voyez une immense pile de dossiers archivés en face de votre bureau et que vous vous dites « En fait, je ferai ça plus tard. » Vous ne le ferez juste simplement jamais et tous les projets resteront finalement inachevés. Et ça, c'est la pire chose possible parce que ça ne vous pas à aller vers ce changement qui sera bénéfique pour votre activité. Donc, la première étape, ça va être vraiment, comme le disait Pierre-Michel tout à l'heure, c'est d'identifier une opération qui peut être, enfin, qui est la plus importante et la plus urgente à processualiser, à modéliser au sein de votre activité. La deuxième chose, ça ne va pas être de choisir un outil. On ne va pas choisir un outil. Un outil, ce n'est pas une solution en tant que telle. Un outil, c'est un moyen d'atteindre un objectif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous puissiez mieux répartir le temps de chacun par rapport à l'opération que vous voulez réaliser. Vous voulez obtenir plus de sécurité, plus d'harmonisation et plus de rentabilité sur les opérations que vous réalisez. Très bien. L'outil ne va pas vous permettre d'atteindre cet objectif. L'outil va être un pont lorsque vous aurez modélisé cette opération-là et que vous l'aurez pensée sur papier, cérébralement, et que vous l'aurez validée, de pouvoir aller plus vite en automatisant, en mécanisant ou en standardisant un certain nombre de choses. Mais ne faites pas l'erreur de prendre un outil immédiatement, parce que l'outil, ce n'est pas une solution miracle. Pierre-Michel, tu le diras mieux que moi, mais vraiment le travail que fait, à mon avis, et je parle sous ton contrôle, Pierre-Michel, avant de pouvoir mettre avec ses équipes Legal Pilot au sein de cabinet d'avocats, c'est que déjà, il va dire « Ok, vous voulez automatiser certains contrats, certaines matrices, certaines assignations, certains contrats, mais pourquoi concrètement ? Quel est votre objectif derrière ? Ah ok, vous l'avez déjà pensé en interne. Et qui va faire un certain nombre de tâches ? Ok, qui va faire ça ? Ok, vous avez déjà réfléchi à votre produit. » Mais je pense que si derrière, ils n'ont pas réfléchi au produit et que ce n'est pas bien modélisé, Legal Pilot ne vendra pas sa solution. Parce qu'à défaut, en fait, l'expérience client serait mauvaise. Il faut vraiment comprendre que c'est uniquement un pont pour arriver à un objectif. Donc concrètement, comment on modélise une opération ? En fait, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez le premier moment auquel vous rencontrez le client. C'est un client vous appelle ou prend contact avec vous pour réaliser une opération, jusqu'au moment où ce client-là va avoir la fin de son opération qui va être délivrée et qu'on aura la fin de mission qui va être opérée. Vous prenez ces deux étapes et vous vous dites « Ok, point A, qu'est-ce qu'il me faut pour arriver au point B ?» Si on prend un exemple concret, on l'a fait récemment pour un cabinet d'avocats, alors pas en automatisant avec un outil comme Legal Pilot, mais bien de façon strictement humaine, entre guillemets, pour déjà optimiser les process. On a pris l'exemple du bail commercial. C'était un cabinet d'avocats qui est spécialisé sur le bail commercial et sur la cession de fonds de commerce. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est eux qui ont la réponse, et c'est d'ailleurs vous qui avez la réponse, c'est « Ok, concrètement, qu'est-ce que tu fais de l'étape où tu reçois le prospect pour la première fois dans ton bureau jusqu'au moment où finalement tu délivres le bail commercial et que celui-ci est signé par le bailleur, le preneur ou éventuellement le bailleur et l'avocat du preneur. Qu'est-ce qui se passe ? » Et en gros, on a travaillé ensemble pour vraiment définir les différentes étapes qui étaient réalisées pour atteindre cet objectif. Alors nous, on a défini cette étape. La première étape, c'est la validation par le client du fait qu'il a envie de travailler avec le cabinet d'avocats sur cette réalisation, pardon, du bail commercial et donc la signature de la lettre de démission, de la convention d'honoraire ou peu importe comment ça s'appelle. La deuxième étape, ça va être une étape qui va être importante et qui va être clé par rapport au bail commercial, c'est la collecte et la demande de l'ensemble des pièces. Parce qu'il y a des pièces qui vont arriver, alors vous le savez mieux que moi, mais à un moment T, c'est des pièces qui sont relatives à l'état civil, au GABIS, etc., de l'ensemble des personnes, mais des moments qui vont arriver à T plus 2, puisque finalement, il va falloir demander, je sais pas, des DIA, des choses comme ça à l'administration, qui vont arriver post 2 mois. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La troisième chose, ça va être « Ok, maintenant qu'on a des documents qui vont nous permettre de rédiger ce projet de bail commercial, on va rédiger le projet de bail go. » Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'on va l'envoyer au client pour valider.
Cinquième opération, c'est que le client va nous faire son retour, soit modification, donc dans ce cas-là, on rajoute une étape, soit pas de modification. Donc dans ce cas-là, on va fixer un rendez-vous et derrière, on va signer définitivement le bail commercial. Donc en fait, on a sept étapes. Avant notre passage à l'intérieur de la société ou du passage de n'importe qui, enfin vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de difficulté, le job c'est que vous puissiez le faire vous-même. Derrière, les associés faisaient l'ensemble de ces sept étapes alors qu'ils avaient des collaborateurs et ils avaient un paralégal. En fait, on s'est rendu compte que la première étape, donc rencontre avec le client, signature des honoraires, etc., obligé, il faut un associé. Ça, c'est une obligation, c'est le job de l'associé, acquisition et production, comme je vous le disais au préalable. Le job de l'associé, c'est acquisition et stratégie de production. Donc là, il faut l'associé. Deuxième étape, collecte des pièces. Bah, en fait, à partir du moment où vous avez une liste qui est donnée sur un fichier Excel, sur un bout de papier ou sur un mail que vous avez déjà rédigé, que vous avez enregistré dans vos modèles sur Outlook, Gmail, je ne sais pas quoi, un assistant, une assistante, un stagiaire, une stagiaire, un collaborateur, une collaboratrice, est largement en mesure de pouvoir mettre ça en place. Donc, OK, donc déjà, on fait gagner du temps aux associés et derrière, on charge un peu plus les membres du cabinet d'avocat. Sauf que des fois, bah, les clients ne répondent pas toujours aux différents documents. OK, je comprends très bien, tu n'as pas toujours toutes les pièces au bon moment. Donc, en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est qu'une fois qu'on a envoyé ce premier mail pour collecter l'ensemble des documents, par la rédaction du bail commercial, on va mettre une alerte dans ton agenda Outlook 2 semaines après pour pouvoir opérer une relance. Mais c'est une fois de plus pas toi qui t'en charge, c'est la personne à qui tu as donné cette tâche qui va devoir s'en charger. La troisième chose, ça va être la rédaction du projet de bail commercial. OK, très clair. Alors là, soit c'est un bail commercial qui est un bail commercial complexe, soit c'est un bail commercial qui est un bail commercial simple. Quoi qu'il en soit, derrière, c'est le collaborateur qui soit junior, middle, si vous avez des juniors, bah, délégués aux juniors, mais en tout cas qui va faire le corps du bail commercial. Et le premier travail qui va être à fournir, c'est un travail d'apprentissage, de transfert de connaissances, ensuite de relecture et ensuite d'autonomisation, où finalement le collaborateur sera seul sur ses tâches. Ensuite, relecture de l'associé. Quatrième étape, c'est envoi au client. N'importe qui peut envoyer ça au client, une assistante, un stagiaire, une collaboratrice, avec potentiellement un call de l'associé pour lui expliquer différentes choses si derrière il n'arrive pas à les comprendre. Sur le retour, bah là, retour ou pas retour, dans ce cas-là, il faut que l'associé soit présent si le client a des retours à faire, parce que c'est interaction client haute valeur ajoutée, non pas en termes juridiques, mais en termes de cash, puisque derrière, enfin, le client, c'est lui qui paye à la fin, et donc il faut que ce client-là soit satisfait pour vous envoyer d'autres deals. L'étape suivante, c'est prise de rendez-vous. Une fois de plus, pas besoin d'être polytechnicien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec le client qui est en face et éventuellement le preneur qui est de l'autre côté. Et dernière étape, là, c'est la signature du bail commercial. Donc là, il faut que l'associé soit présent à l'entrée A et à l'entrée B. Lorsqu'on a modélisé ces opérations pour le cabinet d'avocats sur lequel on a intervenu, ils avaient un taux de rentabilité qui était à hauteur de 35%. 35%, ce n'est pas un taux de rentabilité qui est catastrophique, mais on considère que c'est un taux extrêmement bas sur le marché des avocats. On a un simulateur de rentabilité que vous pourrez aller voir sur le site d'Anonia, vous pouvez faire vos tests. Nous, on estime qu'on commence à avoir une rentabilité qui est bonne à partir du moment où on est entre 45 et 50%. En dessous de ça, on est vraiment faible et il faut vraiment faire attention. Soit, comme je vous le disais tout à l'heure, on a déjà un business model de masse où derrière, on peut traiter, grâce à des outils comme Legal Pilot, beaucoup de production sans pour autant avoir des humains derrière, ce qui va permettre derrière de sortir un grand nombre de deals et donc d'avoir beaucoup de rentabilité. Mais sur les cabinets, entre guillemets, avec un modèle classique, derrière, ça ne suffit pas. Donc, après notre passage, j'ai bien sûr de mettre en place ça pendant 3 ou 4 mois, et on a vu que le taux de rentabilité avait augmenté de 4 points, donc il était passé de 35% à 39%. C'est un chiffre qui peut paraître faible, 4%, mais 4% sur un cabinet d'avocats qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc, en fait, l'objectif, c'est pas à pas, opération par opération, réussir à optimiser un certain nombre de choses. Et il faut savoir qu'au sein de ce cabinet-là, on n'a pas mis d'outils d'automatisation en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste découpé l'ensemble des tâches nécessaires, on a juste redispatché le travail et délégué un certain nombre d'opérations, et on a fait de la gestion d'opérations juridiques. Si on avait ajouté un outil d'automatisation contractuelle à ça, on aurait encore pu augmenter les points de renta du dossier. Et on aurait peut-être pu passer de 39 à 45%, de 39 à 50%. Et en fait, plus on est sur ces chaînes de production, plus derrière, on arrive à les comprendre, on voit où il y a de la friction et on améliore au fur et à mesure. Ce n'est pas un changement radical qu'il faut mettre en place.
C'est vraiment un changement itératif qui va intervenir petit à petit en fonction de l'expérience que vous aurez par rapport au nouveau process mis en place. Ensuite, je passe à la suite. Donc, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà découper son opération de cette façon-là, se poser avec ses associés, ses collaborateurs autour de la table si on a envie d'échanger, pouvoir prendre une feuille blanche et dire, OK, concrètement, on fait quoi, qui fait quoi, à quel moment, comment ça fonctionne. Et en faisant ça, vous allez aussi, alors je divague sur le sujet, mais ça vous permettra aussi de dire, en fait, voilà, maintenant, j'ai acquis énormément d'expérience par rapport à mon opération. On reprend mon exemple du bail commercial, de la production de bail commercial. Aujourd'hui, je suis capable, dès que mon client s'assoit dans mon bureau, de lui dire, OK, si vous me donnez l'ensemble des pièces la semaine prochaine, je peux vous sortir le bail commercial et en tout cas qu'on signe commercial dans un délai de 3 mois. Et ça, c'est une valeur énorme pour le client parce qu'en fait, si vous lui envoyez un mail en lui disant, OK, bon, finalement, on va faire cette étape, voilà les 7 étapes, voilà à peu près les dates indicatives, derrière, vous renforcez la satisfaction client et l'expérience du client chez vous. C'est peut-être simple, peut-être basique, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose à garder en tête. Donc, vous êtes rendu compte que, gardez bien mon exemple en tête, une fois qu'on s'est rendu compte que mon exemple fonctionne. Bon, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on décide de rester comme ça parce que ça nous convient, soit on décide de passer à l'étape supérieure qui est de mettre en place un outil. Donc, la mise en place d'outils, j'en parle pas parce que c'est la partie de Pierre-Michel derrière et j'espère qu'il, j'ai pas envie qu'il me bute parce que derrière on fait les redites. Donc, je laisserai s'exprimer. Mais ce qui va être pertinent par la suite, c'est de pouvoir passer sur un autre segment ou sur une autre opération qui peut optimiser au sein de votre cabinet. C'est-à-dire qu'en fait, opération par opération, vous allez réussir à gagner des points de rentabilité qui vont être partout au sein de votre activité. Et donc, en conservant le même chiffre d'affaires, en conservant le même nombre de clients, en n'allant pas chercher toujours de l'acquisition, plus d'acquisition, plus d'acquisition, vous allez être capable de derrière augmenter de façon drastique l'EBITDA, le BE, l'excédent brut d'exploitation de votre cabinet. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. J'entends aujourd'hui beaucoup trop d'avocats qui me parlent de CA, etc., en raisonnant comme tel. Et il y a des cabinets d'avocats, j'étais effaré, là, je discutais avec une avocate associée d'un gros cabinet d'avocats en fiscalité, dont je ne citerai pas le nom, mais bon, vous l'avez peut-être vu. Ils sont incentivés par rapport au chiffre d'affaires qu'ils apportent. C'est la plus grosse des conneries que j'ai jamais vue. On parle de cabinet d'avocats où les associés font 1,5 million minimum. Ils font 1,5 million de chiffre d'affaires, ça ne veut strictement rien dire. Ils prennent en termes de pourcentage, je le sais, mais je ne peux pas le dire, mais imaginons qu'ils prennent 30% par exemple sur leur rémunération, c'est une grosse hérésie. C'est-à-dire qu'on arrive quasiment à 500 000 euros, mais s'ils ont un taux de rentabilité qui est inférieur à celui-ci, parce que les taux de rentabilité ne sont pas suivis au sein du cabinet d'avocats, ça veut dire que certes, l'associé facture 1,5, mais derrière, il fait perdre de l'argent au cabinet d'avocats lorsqu'il est rémunéré. Et ça, c'est juste pas possible. Pas du tout les bons indicateurs au sein des cabinets. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous ai dit qu'on avait vu qu'au sein de cette opération-là, on était passé de 35 à 39% de taux de rentabilité. Ça signifie déjà qu'il faut pouvoir suivre sa rentabilité et il faut pouvoir mettre des indicateurs de performance sur les opérations. Parce qu'en fait, si on ne fait pas ça, on peut avoir des billets, on peut avoir un instinct en se disant « Oui, mais voilà, cette opération ne me rapporte pas beaucoup d'argent parce que je ne facture pas beaucoup de chiffre d'affaires. » Ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on a des biais cognitifs qui existent et il faut vraiment lutter contre ceci. Nous, au début, quand on a commencé à Anomia, moi, je voulais travailler avec des groupes. Moi, le cabinet qui me faisait rêver, c'était un cabinet comme Depardieu, comme Darrois, comme Bodin, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que nos temps de négociation avec ces cabinets étaient tellement longs que même lorsqu'on signait une belle mission, eh ben en fait, si vous voulez, on avait un taux de rentabilité qui était purement et simplement catastrophique. C'est-à-dire que moi, ça me faisait plaisir parce que ben voilà, je suis avocat et donc du coup, ça me fait plaisir de travailler avec des grands noms. Ça fait plaisir. C'est comme un avocat qui dit oh, je travaille avec LVMH, etc. C'est super. Ça fait vraiment plaisir. Mais le truc, c'est que ben, en fait, si ça ne sert pas à votre business et si ce n'est pas rentable pour vous, ben, en fait, il vaut mieux pas travailler avec eux. Donc, pour optimiser vos processus de production, il faut vraiment, partie 2, bien identifier l'ensemble des opérations qui doivent être optimisées et celles qui sont pertinentes pour l'optimisation. Et donc ça, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? Bon, on va mettre en place des timesheets pour voir si oui ou non l'opération est rentable. On va mettre en place des indicateurs de performance collective et individuelle pour voir où est-ce qu'on a la possibilité de gagner du temps. L'objectif, ce n'est pas de fliquer l'ensemble des individus, mais c'est vraiment de trouver des portes ouvertes pour réussir à pénétrer finalement ce marché. Donc voilà comment on peut optimiser concrètement des opérations. Donc, ce que je vous ai dit pour le bail commercial, ça existe pour tout. Hein. Ça existe pour le contentieux, ça existe pour l'intégration fiscale, ça existe pour le licenciement, ça existe pour les PSE, pour les négoco, ça existe pour tout. Il faut juste se poser et derrière, en fait, regarder ce qui est possible de faire et derrière, mettre les bonnes opérations
Et après, si vous voulez passer l'étape supérieure, mettre en place des logiciels d'automatisation pour encore gagner des points de rentabilité. Pierre-Michel, c'est à vous, mon cher ami. Merci Valentin. Ouais, on va parler un petit peu des outils, mais pas trop en détail, parce qu'effectivement, je te rejoins complètement, Valentin, là-dessus. On a peut-être trop tendance à prendre le problème par le mauvais bout là-dessus, en prenant un exemple de problème qu'on a sous le nez ou qui est fréquent, et en essayant de travailler là-dessus avec un outil directement, sans forcément avoir cette vision d'ensemble, et surtout, en fait, sans avoir de plan. Sans avoir une visibilité sur ce qu'on peut améliorer et là où c'est pertinent. Donc les outils, l'idée c'est de vous donner en fait des choses actionnables pour que vous repartiez de ce webinaire avec un maximum de choses intéressantes. Donc on va en citer quelques-uns. Mais voilà, bien garder en tête que dans un monde idéal, il faudrait commencer à regarder les outils qu'une fois qu'on a fait les démarches préalables d'investigation, de mise en place de KPI au sein du cabinet pour mesurer la performance et surtout effectivement mesurer la rentabilité qui est, il faut le dire, on n'est pas dans l'activité où c'est le plus simple, hein, le mesure de la rentabilité. C'est souvent une donnée qui nous est un peu cachée ou qui n'est pas connue. Donc il faut aller la chercher. Mais voilà, c'est vraiment pour le meilleur. Je te rejoins complètement sur Valentin, ce que tu disais sur l'accroissement de l'activité. Effectivement, ce réflexe qu'on a hyper spontanément en tant qu'avocat de se dire que on gagnera plus d'argent si on fait plus de chiffre d'affaires. Donc le moteur principal du développement d'un cabinet, c'est de rentrer des dossiers. Et c'est vrai qu'il y a quand même, notamment quand on commence à avoir une certaine taille, avoir une certaine redondance, c'est quand même vraiment intéressant de regarder la partie rentabilité sans forcément à chercher à grossir, quoi. Alors pour les outils. Les choses qui peuvent être assez simples et assez intéressantes à actionner rapidement. Je vais essayer un petit peu à chaque fois de vous donner des outils à la fois du gratuit et du payant dans la mesure du possible. Alors, j'ai divisé en deux grandes catégories. C'est évidemment pas exhaustif. C'est les choses qui me sont venues en tête. Les outils, vous le savez, sont de plus en plus nombreux. On est très sollicités. Il y a beaucoup de choses dans la legal tech et dans les outils standards aussi. Mais alors, pour en citer quelques-uns, effectivement, il y a les fameux questionnaires. Valentin en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les questionnaires, c'est bien actionnable dans notre métier pour la partie collecte d'informations administratives, mais aussi en fait pour la partie checklist. Ce qu'on voit peut-être un peu moins, c'est qu'en fait, spontanément, quand on fait un dossier type, on se fait des checklists et en fait, checklist, pièce, c'est souvent en fait la même chose. Donc, ces fameux questionnaires, on peut aussi bien les utiliser en interne qu'en externe. Donc en externe, en envoyant directement soit à la place d'un email avec plein de bullet points ou d'un tableau Excel, et ben un questionnaire directement qui a l'avantage d'être dynamique et relativement agréable normalement à utiliser d'un point de vue utilisateur final. Mais ça peut être aussi voilà, un usage interne pardon, pour le cabinet pour faire des sortes de checklists dynamiques. Et en fait, on va le voir après, ça c'est déjà un premier pas vers de l'automatisation en fait, qui est assez facilement actionnable. Pour des exemples d'outils, il y a notamment Google Forms hein, qui est gratuit, un peu moins connu, mais Microsoft Forms, pour ceux d'entre vous qui sont de plus en plus nombreux à avoir des licences Office 365, ça fait partie des outils gratuits qui sont dans votre licence et qui sont intégrables à Teams aussi, encore une fois, pour ceux d'entre vous qui l'utilisent. Teams, évidemment, plateforme qui va devenir de plus en plus incontournable puisque ça vous permet d'agréger différents outils. Il y a d'autres outils comme SurveyMonkey. Et puis ensuite, il y a des outils payants qui sont un peu plus spécialisés dans le juridique ou dans des domaines d'activité voilà, plus professionnels. C'est notamment le cas, alors nous, effectivement, sur Legal Pilot, c'est une solution qu'on propose aussi, on n'est pas les seuls, mais voilà, un système de questionnaire qui va vous permettre d'aller plus loin généralement que des outils standards en faisant vraiment des questionnaires plus complexes, plus profonds, avec des logiques conditionnelles qui vont aller plus loin pour vraiment vous permettre de reproduire la granularité de votre matière, même dans ces questionnaires-là. Point intéressant aussi, les questionnaires permettent effectivement de collecter les pièces, de collecter des consentements, de donner d'informations éclairées. C'est des points aussi qui sont quand même souvent intéressants et pas faciles à matérialiser dans la relation client. Ensuite, dans les outils, il y a bien évidemment le fameux espace client, qui est souvent inclus dans des logiciels de gestion de cabinet.
On peut aussi avoir pour les plus petites structures ou ceux qui n'ont pas nécessairement envie de s'équiper des outils un peu plus standards, hein, des Google Drive encore une fois, des Dropbox, même si mon ordre m'entendait, il me taperait un peu sur les doigts de citer des outils américains, mais bon, on est pragmatique aussi au bout d'un moment. Sinon, pareil, si vous êtes sur Microsoft, il y a SharePoint, il y a Teams, le paramétrage de ces outils-là peut être assez avancé, y compris pour de la collaboration externe avec le cabinet. Donc voilà, il faut bien connaître les niveaux de droit, mais c'est quelque chose qui se paramètre bien. Et puis dans la partie payante, il y a évidemment les logiciels de gestion de cabinet qui font à peu près tout ça maintenant. Autre point, pour finir sur cette partie relation client, on n'y pense pas, c'est encore très rare, tout du moins à ma connaissance, mais je pense que c'est intéressant de commencer à regarder ce qui se fait dans le domaine des CRM. Alors les CRM, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est les Customer Relationship Management, c'est des logiciels de gestion de la relation client, donc ils sont faits pour ça, hein. On pourrait se dire, OK, mais pourquoi un logiciel spécifique là-dessus? Bah, parce qu'en fait, ça vous permet vraiment de gérer vos interactions avec le client. Et ça va permettre notamment de gérer un client dans la durée. Un des points, on le sait, un des points de la rentabilité aussi dans la durée, c'est la capacité de vendre d'autres prestations à un client. On est beaucoup à courir après ça. En fonction du type d'activité qu'on a, ce n'est pas forcément simple d'aller vendre d'autres prestations. Ce n'est pas forcément simple de garder le lien. Alors, il y a les méthodes traditionnelles qui sont souvent un peu désuètes aujourd'hui. Il y a les fameuses newsletters et ce genre de choses, mais qui sont trop statiques, qui sont trop impersonnelles aussi parfois. Ce qui est intéressant, c'est que dans les CRM, on peut vraiment construire des parcours clients, aller s'intéresser à ceux des clients, aller leur parler au bon moment en fait, et avoir un outil qui est dédié à la relation client. Donc, intéressant à creuser pour information, il y a notamment des outils dédiés au monde du droit, des CRM dédiés au monde du droit. Je pense notamment à LexisNexis qui édite un outil qui est peut-être un peu plus designé pour les grands cabinets, mais voilà, peut-être point d'intérêt à regarder sur la partie relation client. Sur la partie productivité, bon là on a beaucoup de choses. Alors vous avez dû le voir apparaître notamment avec le confinement. Il y a beaucoup de petits outils interstitiels qu'on va utiliser pour des tout petites choses, mais qui sont des gros leviers. Je pense notamment aux liens de prise de rendez-vous vers les agendas. Quand on enlève 4 emails d'aller-retour, tu es disponible, je suis disponible, ah non, finalement non. Bon ben gros levier de gain de temps évident. Les calendriers partagés au sein des équipes. Il y a beaucoup de choses évidemment de l'ordre de la collaboration interne qu'on peut améliorer. Ceux d'entre vous qui ont vraiment vécu le travail à distance, enfin c'est nous tous, mais ceux qui ont vécu ça par une transformation des outils, vous l'avez sans doute senti. Il y a des gros leviers d'amélioration de la rentabilité dans l'organisation qu'on a entre nous, entre avocats au sein du cabinet. Il y a aussi évidemment les outils qui sont associés à ça, donc les Trello, les Slack, les Teams, les logiciels de suivi des temps, voilà, il y a beaucoup de choses. Sur la partie productivité, il y a évidemment la partie matrice. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Sur la partie matrice, ça reste le cœur de la productivité. C'est les livrables, c'est ce qu'on sort aux clients. Évidemment, sur cette partie-là, il y a les logiciels d'automatisation. Legal Peanut n'est pas le seul. On est plusieurs à proposer ce type de solution. Grosso modo, ça, c'est des logiciels qui vont vous permettre de transformer les matrices en modèle automatisé ou partiellement automatisé. Grosso modo, les matrices en fait vont devenir des matrices dynamiques dans lesquelles on va exécuter des instructions automatiquement à partir de paramètres entre guillemets. Donc généralement, ça se fait à partir de questionnaires. On met les informations du dossier dans le questionnaire et ensuite, en fonction de ce qu'on a paramétré, la déduction se fait, les bons champs se remplissent. Les bonnes clauses apparaissent et en fait le gros levier du système, c'est que la cohérence des documents est assurée de telle sorte que quand le système est bien paramétré, on n'a même plus besoin de relire. Et c'est là où on a un gros gros levier, puisque vous le savez tous, on perd beaucoup de temps sur la prod initiale non seulement, mais aussi sur les amendements, sur les versions, sur les relectures de cohérence, où on va être plusieurs à repasser plusieurs fois pour être sûr encore une fois que c'est la partie visible du client, hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence. Et c'est vrai que cette partie automatisation, mécanisation,
c'est vraiment un levier de productivité, non pas comme quelque chose qui va bosser à votre place, mais comme quelque chose qui va être dans le prolongement de ce que vous faites, mais sur les parties pas intéressantes, entre guillemets. J'ai beaucoup l'habitude de le présenter comme une espèce de Word 3.0. Le Word, c'est déjà un éditeur de texte avec des fonctions avancées qui vous permettent d'accroître la productivité, qui n'utilise pas le contrôle F, le remplacer partout, les références croisées. Bon, ben ça, c'est des outils de productivité qui vous aident. Dans vos tâches liées à la rédaction, bah, l'automatisation, c'est la suite directe de ça, c'est-à-dire de mettre des instructions en amont. Il y a un gros levier aussi qui peut être lié ou pas à l'automatisation, c'est la partie base de données. Généralement, dans le meilleur des cas, on peut avoir une base de données sur la partie client, c'est généralement ce qu'on a dans l'outil de facturation en fait. Mais ça se limite généralement aux informations administratives ou aux informations sur le client directement. Ce qui est intéressant, c'est aussi les bases de données métiers qui vont contenir des informations qui correspondent à ceux dont vous avez besoin dans les dossiers. Pour ceux d'entre vous qui ont des logiciels de gestion de cabinet, généralement, il y a un volet comme ça qui va se traduire concrètement par les fiches. En fait, c'est les fiches, par exemple, les fiches société, les fiches salariés, des choses comme ça. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, là, c'est le réservoir qui va vous permettre de limiter, voire de supprimer les doubles saisies. Et ça, c'est un gros levier de rentabilité aussi, non seulement sur l'exécution, mais aussi sur les risques d'erreur. Et c'est vrai que quand on arrive à combiner cette partie-là avec la partie automatisation, on a des leviers qui sont quand même très puissants pour la rentabilité sur la production. Donc, encore une fois, ça suppose d'avoir une vue d'ensemble, de bien comprendre là où on a nos redondances et de pouvoir les actionner. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude de voir des rentabilités qui passent de 50 à 80%, des gains de 50 à 80%. Une fois que le système est mis en place, on est même, enfin, un questionnaire concrètement, même un questionnaire complexe, ça prend jamais plus de 10 minutes à remplir. Là où la rédaction et les relectures de cohérence, bah, vous êtes rapidement à 2, 3, 4 heures. Donc, c'est des leviers importants. Pour passer rapidement sur la dernière partie, sur la partie plus organisationnelle, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Je vais les citer un peu dans le désordre, mais déjà les indicateurs de performance, je vais passer rapidement là-dessus parce qu'on a largement défloré le sujet, mais voilà, essayer d'aller regarder, mettre en place des indicateurs de performance au-delà du seul chiffre d'affaires et sur des choses plus voilà, qui vont plus matérialiser la rentabilité. Peut-être quelques idées de ce point de vue-là auxquelles on ne pense pas forcément, c'est regarder des choses qui ne sont pas forcément que dans les feuilles de temps, parce que c'est souvent le seul référentiel qu'on a, mais peut-être plus sur des durées moyennes de traitement de dossier, le nombre de versions moyennes par dossier sur le document principal, sur le livre principal, le nombre d'emails par dossier. Voilà, c'est d'autres angles qui permettent aussi de mesurer la rentabilité ou au contraire la perte de temps. Un autre point intéressant, c'est les comités d'amélioration. Alors, j'essaie d'expliquer un petit peu. On ne voit pas ça dans beaucoup de cabinets, mais dans plusieurs gros cabinets, c'est assez systématique. Dès lors, pour ceux qui ont les moyens d'avoir un service documentation, généralement, on va retrouver un comité de conformité qui va en fait faire la curation de la jurisprudence, mettre des fiches pratiques à jour, ce genre de choses. Idéalement, dans un monde parfait, ce serait super d'avoir ce forum, ce point de rencontre où on peut se parler entre associés, entre collaborateurs seniors, sur la mise à jour du knowledge, sur les points de fond, et idéalement de lier ça au regard critique sur la productivité, c'est-à-dire au-delà de la simple mise à jour réglementaire, hein, de voir comment on peut améliorer les process. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont très liées. Parce qu'en fait, dans les matrices sont autant un outil de knowledge qu'un outil de productivité. Donc, si on arrive à faire le lien entre les deux, parce que souvent, cette notion de mise à jour du knowledge, on l'a d'une manière ou d'une autre dans le cabinet. C'est pas toujours aussi bien fait qu'on le voudrait, mais on a ce réflexe-là parce qu'on sait que c'est indispensable. Ben, peut-être que la clé, c'est de lier ça au sujet productivité, ce qu'on ne pense pas nécessairement à faire. Un autre point, bon, évidemment, on a parlé aussi, c'est d'inciter à la délégation et aux sous-délégations. Un autre angle, ça peut être aussi de systématiser les aspects communication. J'ai vu ça dans plusieurs cabinets. Ça peut être intéressant d'incentiver même les collaborateurs juniors
à penser communication, à se dire, par exemple, est-ce que tous les mois, je peux sortir un projet de post LinkedIn sur des deals qu'on a fait, une expertise qu'on a développée, une jurisprudence favorable qu'on a gagnée. Essayer de mettre ça en place très tôt et que ça devienne un réflexe, c'est aussi un des axes de visibilité. Pour rester sur un peu le même ordre d'idée, enfin en tout cas sur les collaborateurs, il y a sans doute des leviers intéressants à actionner au niveau des mécanismes de rémunération. Ça paraît une évidence, mais il n'y a quand même pas forcément beaucoup de cabinets qui l'appliquent. C'est-à-dire voilà, pouvoir mettre en place une transparence sur les primes, sur la rentabilité de chacun, sur les volumes, et vraiment incentiver sur le résultat et en fait amener les collaborateurs assez tôt dans cette logique un peu inclusive de en fait on est tous dans le même bateau et typiquement c'est pas que les associés qui doivent aller bosser pour rentrer des dossiers, c'est aussi un peu plus dans le détail de ce qu'on fait collectivement. Si on arrive à mettre le doigt sur les bons KPI de rentabilité et qu'on peut en faire des leviers de rémunération qui incentivent les collaborateurs dans le sens-là, ben, je pense qu'on a un très très bon levier. Et de manière générale, peut-être pour terminer, je pense qu'il faut aller à une logique de essayer d'aller à une logique d'assets, d'actifs au sein du cabinet. Grosso modo, ce dont on parle là, je pense qu'il y a une aubaine importante là, c'est que on est forcé de plus en plus de travailler avec des outils. Et ça, c'est fondamentalement, je pense, une bonne chose parce que ça permet de créer des actifs, de matérialiser le savoir-faire, de matérialiser l'expertise. Et ça, in fine, ça vous permet au fur et à mesure de créer de plus en plus de leviers et aussi de créer de leviers de valorisation très clairement pour le cabinet. Quand on sait créer un comité, quand on sait animer un wiki, quand on sait animer une newsletter, quand on a une banque de matrices qui comporte le savoir-faire cumulé depuis 5 ans du cabinet sur tel dossier, ben on a des choses qui ont beaucoup, beaucoup de valeur et qui vous mettent moins en risque sur les changements d'activité et sur le turnover. Voilà, je pense que je vais m'arrêter par là. Enfin, si peut-être un tout dernier point. Je pense qu'il est important d'avoir une démarche ouverte et pragmatique vis-à-vis de l'innovation. L'innovation, c'est pas toujours qu'un grand plan d'ensemble pensé par des stratégistes brillants. Ça peut être aussi des choses très très concrètes, des usages. Il faut aller regarder entre guillemets par la base comment les gens peuvent spontanément trouver des solutions dans leur pratique. Peut-être qu'un axe intéressant, ça peut être aussi d'avoir une communication claire vis-à-vis des collaborateurs là-dessus, de leur laisser des marges d'exploration et de tests. Pourquoi pas même des budgets, des petits budgets pour des tests sur des outils. Il y a de plus en plus d'outils en ligne qui vont coûter des dizaines ou des centaines d'euros maximum. C'est pas non plus irréaliste de se dire que voilà, pendant quelques mois, on va mobiliser des tests à droite à gauche et puis on fait des points d'étape. Et en fait, ça, je pense que c'est intéressant parce que c'est inclusif, c'est par la base et on va y trouver des choses qu'on n'aurait pas forcément vu venir. Et l'innovation, ça va très très vite. Je pense que vous le sentez aujourd'hui, plus vite que n'importe qui peut l'anticiper. Donc il faut pas louper ça. L'innovation, le cycle de l'innovation, c'est pas 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, c'est plus un semestre. Donc il faut être en capacité de mobiliser ça rapidement, quoi. Et puis n'oubliez pas quelque chose, Pierre-Michel, je conclue par rapport à dire qui était super intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous arrivez à une étape où finalement pendant longtemps la clientèle a valu très très cher. On se cédait la clientèle parce que ça fonctionnait comme ça, on allait voir son avocat de père en fils comme on allait voir son notaire, etc. Et depuis quelques années, la clientèle elle vaut plus grand chose. Ça fait une trentaine d'années que la clientèle elle vaut plus beaucoup d'argent, etc. Parce qu'en fait, on met en place des ratios sur le chiffre d'affaires pour revendre un cabinet d'avocats. N'oubliez pas une chose, c'est que si vous arrivez à mettre en place des systèmes de production, si vous arrivez à développer une marque, si vous arrivez à dépersonnifier un tout petit peu la relation intuitue personnalisée entre avocat et entre client et associé, si vous arrivez à mettre en place un knowledge management, des process de production en interne, votre cabinet vaut de l'argent. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une logique simplement de revenus, vous allez percevoir de l'argent pendant votre métier d'avocat et lors de votre session, finalement, vous allez toucher un petit bonus. Là, vous allez vraiment être sur des grosses reventes. Et c'est ça que vous pouvez aussi aller chercher en travaillant sur de la prod. Nous, on a vu un cabinet d'avocats là qu'on a accompagné, qui a été racheté. Il faisait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Il a été racheté beaucoup plus cher que ça, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en interne, tout était optimisé et processé. Et il n'y avait pas encore de logiciel d'automatisation, donc on n'est pas encore à cette étape-là.
Mais en tout cas, on avait une vue globale sur l'ensemble des opérations qui étaient faites, tout était découpé et il y avait un système de production qui était vraiment au carré. Et c'est ça que le cabinet d'avocats a racheté. Ce n'est pas un chiffre d'affaires, c'est un réel savoir-faire. Et donc ça, vraiment, ne vous trompez pas, c'est vraiment les enjeux de demain des avocats. Belle conclusion. Et ouais, j'en suis persuadé aussi, effectivement. Mais c'est très excitant tout ça. On devient des vraies entreprises et des vrais chefs d'entreprise. Il y a une dimension stratégique qui est hyper intéressante et plein de choses à faire. Yes, super. Alors, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste très très peu de temps et on a même déjà dépassé le temps imparti, mais si vous avez des questions, Pierre-Michel et moi les prendrons avec grand plaisir. Vous avez un chat, vous avez un Q&R aussi si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de questions maintenant et que vous avez des besoins, je suis sûr que Pierre-Michel et moi-même serons ravis de vous répondre, en tout cas d'échanger et de prolonger les discussions avec vous. En tout cas, Et sur maintenant, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis bonnes vacances pour ceux qui en prendront. Pierre-Michel, je te souhaite une très bonne journée. Je te remercie d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour l'invitation, Valentin, et puis bon congé à ceux d'entre vous qui en prennent ou en ce moment ou qui en prennent ce mois-ci. Avec grand plaisir. Ah, attends, on a une question, je crois. Non, on n'a pas de question. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.